Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Les énergies du zodiaque pour le mois de novembre. Nous allons être avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Nous allons regarder en détail un petit peu ce que l'univers peut nous donner comme élément pour vous accompagner sur ce mois de novembre, comprendre un petit peu vos situations. Je vous rappelle que je canalise et que je vous livre les choses sans filtre. Alors nous allons aller regarder un petit peu tout ça dans le détail. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collectif, je fais donc appel à votre discernement. Inutile de me demander par ailleurs ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Je vous rappelle également que je suis médium canal, ce qui veut dire que les supports que vous voyez et que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Vous avez cet oracle s'il vous intéresse à la vente en description. Allez, on y va, on va regarder un petit peu pour chacun des signes. Allez, on va commencer avec les Gémeaux. Oula, alors là au niveau des Gémeaux sur le mois de novembre, j'entends, c'est j'hésite entre tes expressions, AB, tu choisis marcher sur des charbons ardents ou marcher sur des œufs. Bon, bah, vous avez compris que vous allez marcher sur la pointe du bout des orteils, du bout de l'ongle, parce que là, ça va être à mon avis délicate attention, délicate pression tout doucement, ne pas se précipiter. C'est vraiment ce que l'on vous dit, ne pas vous précipiter à vouloir dire les choses, à faire les choses, à affirmer les choses, du calme, du calme, du calme. Il y a un adage, je tourne 7 fois, 12 fois, 24 fois, 72 fois ma langue dans ma bouche avant de me positionner. J'ai l'impression, amis Gémeaux, qu'on va vous dire là pour le coup, vous n'allez pas pouvoir vous en tirer avec des roulades. Vous voyez, l'entourloupe, là, je te fais une petite roulade. Non, 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 non. Là, attention, si vous merdez, ça va vous coûter. Attention à votre façon de vous positionner parce que ici, c'est comme si vous pouviez déraper sans même vous rendre compte que vous pourriez déraper et aller dans une forme d'excès en ce qui vous concerne. Et ça serait dommage parce que ce mois de novembre, c'est comme si vous aviez un rendez-vous avec vous-même en disant « Bon, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire passer, il y a des choses à exprimer, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, allez, j'y vais. Non, non, non. Non, je vais réfléchir, je vais me calmer, je vais bien structurer mon dialogue et puis ensuite, je vais pouvoir y aller. On me montre également un domaine particulier au niveau du travail où il pourrait y avoir des clashs. Doucement. Alors, les clashs, il faut quand même que je dise tout ce que je vois. Les clashs, j'ai beaucoup de personnes en fait qui, sans le savoir pour la plupart, vont venir vous titiller, en fait énergétiquement parlant, comme pour donner raison à ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez démarrer un peu trop vite et ça va partir en quenouille. Alors, quelle est l'idée? Quelle est la compréhension? Bah, évidemment, c'est maintenant que vous savez que vous risquez de partir en quenouille, bah, vous allez faire gaffe. Et vous allez vous dire, hop, hop, je sens que ça monte, je vais mettre tout ça de côté, je vais aller chercher une énergie beaucoup plus voilà, aérienne. Et justement, vous êtes signe d'air, donc réfléchissez. Là, c'est vraiment, faut que je respire, faut que je respire. Ne répondez pas à la provocation. Pour moi, il y a beaucoup d'attitudes dites de provocation. Alors, j'ai des domaines où moi, je vais les nommer professionnels parce que je vois que ce sont des interactions qui sont régulières. Mais ça peut très bien être aussi, vous avez l'habitude d'aller faire vos courses à un endroit, puis d'un coup, vous allez vous prendre la tronche avec la caissière, le machin, le ton monte, bababababa. Vous voyez, attention à votre zone de communication. Elle n'est pas top ici au niveau des Gémeaux. Sur le mois de novembre, c'est comme si on vous disait, là, il y a un challenge, il y a un passage. Ce passage sur le mois de novembre, c'est j'écoute, j'intègre, puis je pourrais me positionner, je pourrais dire, ou alors je fais carrément le vœu de silence. Vous savez, le bruit du vent, il n'y a rien, c'est parfait. Le vent, le silence est aussi une manière de pouvoir gérer les choses. Donc ici, au niveau des Gémeaux, on va vous dire, voilà, si vous savez que vous avez des rendez-vous très importants, que vous avez des, je sais pas moi, des dates, où on va vous poser des questions, où on attend de vous des réponses, ou si vous êtes dans des difficultés judiciaires ou autres et machin, attention, là, sur le mois de novembre, c'est le moment d'être le plus, mais alors rigoriste possible dans le contrôle, dans la limitation de la parole, dans le juste milieu, dans toute la pondération que vous pourriez trouver pour vous-même par rapport à l'expression de ce que vous voudriez dire. Mais je dois reconnaître que c'est pas facile, Gémeaux, parce que je vois bien qu'au mois de novembre, ça vient piquer, 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 piquer. Et moi, c'est vrai qu'il faut pas me piquer longtemps pour que je réagisse. Mais là, pour vous, attention, parce que ça peut avoir des conséquences quand même assez importantes, pour ne pas dire des conséquences dramatiques. Ici au niveau de paroles qui pourraient très largement dépasser votre pensée, voire même si ça dépasse pas la, votre pensée et que c'est vraiment ce que vous avez au fond du bide, les conséquences, ouais, elles pourraient être quand même assez compliquées pour vous. Donc bon, allez, on sait qu'on est un peu tendu du slip au niveau du mois de novembre, on va se détendre et puis on va se dire ok, allez, ça va venir de part et d'autre, je vais me faire emmerdouille-douille, c'est parfait, je suis prévenue, je vais m'organiser, je vais bien m'ancrer, je vais bien travailler ma diction, si j'ai quelque
choses à dire, je ne le dis pas sur le moment, mais je note ce que je voudrais dire et puis je vais ensuite faire en sorte de pouvoir dire les choses avec différé. C'est ce qu'on voulait vous dire. Prenez soin de vous, Gémeaux, que la lumière vous accompagne sur tout ce mois de novembre. On se retrouve pour une prochaine. Allez, Balance. Alors, balance. Oh là là, j'ai beaucoup d'états d'âme sur ce mois de novembre. Pourtant, bon, on est sur des périodes d'anniversaire. Alors, c'est peut-être ça. Il y en a qui ont peut-être du mal à passer des caps de vie. Alors, un âge, 30 ans, 40, 50, 60 ou plus. Peut-être que là, vous avez une forme d'audit sur votre vie parce que j'ai de la mélancolie. J'ai quand même un regard qui est un petit peu... c'est un petit peu triste en se disant, ouais, bah, tout ça pour ça. Alors, je ne sais pas si vous cherchez les zones d'ombre pour les stigmatiser et ne voir plus que ça. En tout cas, essayez de balayer. Hein. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'air, donc aérez-moi tout ça, aérez la maison, aérez vos pensées, vos idées, et puis ça va le faire, hein, parce que là, je sens bien que ça, c'est une première dynamique que vous avez sur le mois de novembre, qui est, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est pas très joyeux. En même temps, on souhaite vous dire, oui, il y a des passages comme ça dans la vie où on se dit, ok, maintenant, je suis en train de regarder la suite, qu'est-ce que je veux, à quoi j'aspire, quelle est ma propre projection. Et bien là, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de pouvoir mettre, je dirais même, des intentions, d'être clair avec vous-même. J'ai l'impression que c'est un peu latent. Hein, ce mois de novembre, ça ne veut pas dire que la vie va vous épargner, va vous laisser roupiller tranquille ou non. Vous, à l'intérieur de vous, vous, c'est comme ça. Ça veut dire que vous risquez de vous prendre des ting, 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 ting tout au long du mois de novembre pour vous secouer le coco et vous faire bouger. Puis vous, à l'intérieur, c'est de roupiller. Vous voyez, ça ne bouge pas. C'est non, j'en ai marre. Non, c'est trop compliqué. Non, je ne vois pas le bout. Non, je ne vois pas la solution. Ça, c'est le premier aspect pour vous, Balance, sur le mois de novembre. Alors, bon, je suis de tout cœur avec vous. Ce n'est pas une situation agréable, hein, honnêtement. Voilà, on se sent, il n'y a pas de sortie, puis on n'a pas envie, et puis on n'est pas motivé. Il y a vraiment une question de motivation là. Deuxième aspect pour vous, sur le mois de novembre, Balance, je vous ai dans une dynamique où vous allez, c'est spécifique à l'affectif, où vous allez vraiment avoir besoin que l'autre, votre autre, soit dans des démonstrations. Alors, non pas parce que vous nous faites un caca nerveux et que vous avez déjà ce truc latent qui pue, hein, mais c'est parce que là, c'est comme si vous vous disiez, moi, j'attends quand même qu'il y ait des éléments dans la matière. J'essaie de vraiment retranscrire ce qu'on me montre. J'attends qu'il y ait des éléments dans la matière, qu'il y ait du concret. Et là, je pense que pour certaines personnes, ne partez pas en quenouille si au mois de novembre, votre autre n'est pas dans les énergies de votre attente. Je m'explique. Vous êtes dans cette attente-là, mais votre autre, il peut être dans une autre énergie qui n'a absolument rien à voir. Allez regarder son signe pour savoir dans quoi il est. Peut-être que vous comprendrez, pour le coup, que ça risque d'être un peu tendu sur le mois de novembre entre vous deux. Ou alors, merveille, c'est ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez, Balance, avec votre autre, trouver justement un point de concorde parce que vous allez être dans des mêmes envies, dans des mêmes partages, etc. Si c'est négatif, vous savez que là, il faudra ranger votre frein et que tous les petits mots doux, tous ces moments de tendresse, de manifestation, de démonstration, de temps passé, etc., peut-être que vous allez avoir l'impression que là, vous n'y avez pas le droit. C'est pas grave, vous le savez. Je dis toujours au niveau de mes réseaux sociaux, savoir permet d'anticiper. Si vous regardez de la guidance, c'est quand même pour pouvoir vous positionner. Or là, je sens qu'il y a quand même des petits cœurs d'artichaut qui pourraient très mal le prendre. S'il vous plaît, les balances, faites pas votre petit cœur d'artichaut. Voilà, comprenez que l'autre, il est dans ses propres énergies. Si vous, vous vous sentez mal dans les vôtres, est-ce que vous connaissez les siennes? Non, peut-être qu'il est tout aussi mal et il ne peut même pas vous donner la petite goutte qui vous ferait du bien. Donc cette petite goutte d'amour, cette petite attention, ce geste, ce moment à deux, etc., etc. Peut-être que vous n'aurez pas... Alors moi, mes guides précisent. Peut-être que vous n'aurez pas à la hauteur de la gourmande Balance que vous êtes. Parce que, vous allez avoir et puis, je peux en avoir un peu plus. Encore un petit peu plus et tout ça, tout ça. Donc, soyez raisonnable, Balance, sur ces mois de novembre. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne et puis savourez ce que l'on vous donne. C'est déjà quelque chose que vous avez, ce n'est pas rien. Et puis si vous avez du rien, soyez plein de compassion pour votre autre qui traverse sans doute une galère énergétique pareille et qui n'a sans doute pas le temps, ni la tête, ni l'énergie même pour vous poupouner. Et peut-être qu'il se rattrapera sur le mois prochain, c'est ce que je vous souhaite, Balance. Allez, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Nous allons regarder maintenant Verseau.
Alors, ce mois de novembre, vos énergies. Ça fuse, ça part dans tous les sens. Il y a un besoin de mouvement, d'action. J'ai l'impression que ça gratte du papier. Alors, symbolique, hein. Ça peut être sur PC également. Mais ça gratte du papier, ça gratte des idées. Quant à savoir, je suis sur des projections. Alors, moi, dans un an, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Non, mais là, ça ne peut pas durer comme ci, comme ça. On va se retrouver ici avec des énergies très volatiles, très en projection. Alors, le projectif, c'est formidable parce que ça veut dire que vous avez compris que le prédictif n'avait plus aucun intérêt et que par contre le projectif, c'est là où vous mettez vos billes, votre énergie, vos intentions et votre attention pour mettre dans votre projection ce que vous souhaitez appeler à vous en disant à l'univers « pop, 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 projectif, j'envoie ça, fais-moi vivre ces expériences-là ». Il y a un besoin là de pousser les murs. Alors je ne sais pas si certaines personnes sont dans des couples un peu... comment est-ce qu'on va dire, vieillot à dépoussiérer, ou c'est, voilà, ça manque un peu de vie, ça manque de dynamisme, ça manque aussi, je vois, de sexualité pour certains. Alors, ça va peut-être être justement d'être un peu foufou sur ce coup-là, d'y aller, de se retrouver comme des ados, de faire peut-être des propositions un peu olé olé, dans la mesure et évidemment dans les cadres de chacun. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a l'envie de ne pas se sentir moribond. C'est l'expression qu'on me donne. Et donc, se sentir vivant pour des énergies d'air, hein, vous doutez bien, c'est que là, vous allez avoir besoin que ça aille vite. Vous allez avoir besoin qu'il y ait une forme de réponse. Comme je le disais pour les balances juste avant, doucement, parce que votre besoin là ne sera peut-être pas comblé ou possiblement comblé sur novembre, parce que votre autre n'aura peut-être pas les capacités, l'énergie, et sera dans une autre dynamique. Alors, allez regarder quel est son signe pour voir un petit peu. Mais ici, ce qu'on perçoit quand même, c'est très intéressant, c'est que vous avez envie de faire du neuf. Ça veut dire écrire la suite. Moi, je trouve ça super chouette. Vous savez, je suis du signe de la Vierge, donc j'aime bien quand tout est organisé, ancré, voire même répétitif, parce que ça me rassure. C'est une forme de contrôle. Mais ceci étant, avec le temps, j'ai appris à dompter ma Vierge, et surtout mon ascendant Sagittaire, eh bien, il me mène un petit peu à ce que je vois chez vous. C'est-à-dire à pousser et la surprise et oser etc. Et là j'ai l'impression que vous avez envie d'oser, mais alors oser des trucs que vous n'auriez pas pu dire, faire, expérimenter, oser dire allez on fait bouger les choses, allez on s'en fout, c'est vendredi soir, on sait pas où on part en voiture, on verra bien, on va trouver, machin, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du dépoussiérage, comme si vous avez le besoin et l'envie de vous sentir ultra vivant. Alors est-ce que ça veut dire que vous ne l'êtes pas? Il peut y avoir deux catégories dans cette lecture-là, Verseau. C'est que soit vous n'êtes en effet plus dans quelque chose de dynamique, de vivant, qui est plaisant, soit c'est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez, l'énergie est peu, elle est peu mise, elle est peu dynamique, elle est peu en rebond, c'est ce qu'on m'explique. Donc forcément pour vous, il y a comme un sentiment de lassitude et comme si vous me disiez j'ai envie de voir du large, j'ai envie de prendre le large. Alors je n'ai pas forcément de rupture hein, ici qui s'annonce, peut-être pour certaines personnes ce sera un choix peut-être fin du mois, mais j'ai plutôt le sentiment que vous avez besoin d'exprimer vos envies, vos besoins, comme pour dire écoute, c'est pas un caca nerveux, c'est pas je passe la quarantaine ou je passe 50 ou 60, j'ai telle demande qui serait un peu incongrue ou complètement farfelue. Non mais écoute, ça fait par exemple 3 ans, on n'a plus fait ça, ça fait, je sais pas, on fait pas des câlins régulièrement, enfin, tu sais, toutes ces choses-là. Et là, je sens que ça bouillonne parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est pas de l'ego, c'est pas du mental, c'est quelque chose qui est nécessaire à votre équilibre pour votre bien-être. Donc, pour les Verseaux, sur le mois de novembre, on écoute tous les appels du pied qui va dans la zone du bien-être, de votre confort, de votre joie, de votre épanouissement. Ça ne veut pas dire que parce que j'écoute, que je vais obtenir, mais si vous avez écouté cette guidance et que vous savez peut-être pourquoi en face, vous n'aurez peut-être pas la réponse. Du coup, vous allez pouvoir gérer ça avec beaucoup plus de calme et moins de frustration en vous disant, manifestement, j'avais telle et telle envie, tel besoin. Bon, mon chouchou d'amour ou ma chouchou d'amour ne peut pas y répondre parce qu'elle est elle-même ou lui-même dans son caca à gérer ses trucs. Je vais m'organiser pour nous organiser un truc ou je vais m'organiser et faire mon truc à moi. C'est en accord et tout va bien et c'est décidé, c'est dit ainsi. Le tout, c'est que vous soyez vraiment et que vous restiez, mes guides me disent, sur la même longueur d'onde avec votre chouchou d'en face. Prenez soin de vous, Verseau. Pour les célibataires, on me rajoute simplement quelque chose. C'est là où
vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de rencontres, de touches et de besoins, d'envie de rencontres et de voir un petit peu souvent ce que j'appelle le biscuit, c'est la matière. Qu'est-ce qu'il y a comme matière dans cette rencontre? Qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce que j'y trouve, etc. Donc, pour les célibes, beaucoup de rencontres, de discussions. Alors, est-ce que ça va mener? Ce n'est pas le sujet de notre mois de novembre. Le sujet du mois de novembre, c'est s'écouter, comprendre ce à quoi vous aspirez, de dépoussiérer un terreau un petit peu vieillissant pour vous, pour vous redonner du peps et vous remettre en joie. Je vous souhaite que la lumière vous accompagne, Verseau, pour ce mois de novembre. Prenez soin de vous. Merci à tout le monde pour votre écoute et puis je vous retrouve à très bientôt. Merci, bye bye.